Donc là, je suis à la salle de fitness park. J'ai vu une machine qui permet de solliciter, de travailler les mollets. Donc cette machine est excellente. Ça sollicite essentiellement les mollets. Donc je vais la tester tout de suite devant vous en ajustant le poids. À de suite. Que je vais utiliser, ça travaille les deltoïdes, tous les deltoïdes antérieurs précisément, mais bon, c'est l'ensemble des épaules quoi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur cette machine, ce que ça donne. Donc, je vais utiliser une autre machine pour travailler l'épaisseur des épaules. Donc, le haut des épaules, particulièrement, ça va solliciter cette machine, les deltoïdes postérieurs. Je vais vous montrer où exactement ça sollicite, et aussi les rhomboïdes. Donc, voici comment on utilise cette machine. Il y a deux prises différentes. Donc, il y a une prise normale et une autre prise que je vais vous montrer. Donc là, je prends la prise normale. Voyez ce que ça donne. Deuxième prise.
C'est une machine à pec, donc on peut faire le travailler les pecs de différentes façons, mais là c'est une machine spécialement pec, donc ça va solliciter le grand pectoral. Il est très bien cette machine parce que ça me permet en fait de d'étirer mes pecs en largeur et de la ramener bien fermée à l'intérieur. Donc ça tire vraiment les pecs pour avoir des pecs hyper larges. Cette machine, je l'aime bien, qui travaille, qui sollicite le grand pectoral. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je la règle la machine et je vais vous montrer le mouvement tout en gardant le dos droit et la tête droite. Et ça donne cela. Sur un autre angle, le grand pectoral, ça donne sur un autre angle cette vue. Je vais vous montrer ce que ça donne vu de devant, complètement en face de moi. Donc j'ai le dos bien droit, les doigts bien tendus et je vais chercher le plus loin derrière pour ramener devant, pour étirer le plus possible les pecs pour avoir de gros pecs hyper larges. Ça donne ça. Toute cette partie de la largeur des pecs qui est sollicitée.
même machine, je le régle d'une certaine façon, de façon à ce que je sollicite les épaules, l'arrière des épaules. Donc c'est la même machine où j'ai travaillé le grand arc pectoral. Je peux aussi travailler aussi l'arrière des épaules en la réglant en hauteur. Je vais vous montrer ce que ça donne pour ensuite, après, vous montrer que je sollicite, pour vous montrer que je travaillerai par rapport au réglage. Je travaillerai maintenant cette fois-ci les épaules sur cette même machine. Ça donne ça. Donc, réglé de cette façon, cette deuxième méthode montre que je sollicite maintenant l'épaisseur des épaules, les rambouillets. Donc, c'est comme ça. Sur les machines, donc une autre machine que j'aime bien quand je décide de travailler sur des machines, hein, bien sûr, hein, pour solliciter les fessiers. Donc on peut la positionner de deux façons pour travailler le grand fessier. Donc ça donne ceci. Donc, je me suis mis délibérément un peu en position, pas en position debout complètement, parce que c'est trop facile. Il faut légèrement se mettre en position, comment ça s'appelle ça? Comme si on allait faire un petit squat et rester constamment comme ça et on fait le mouvement. Et on sent qu'au niveau de la cuisse, ça brûle. Les cuisses, ça va brûler. Mais aussi, du fait qu'on fait ce mouvement-là, ça sollicite également les fessiers. Donc, je me suis mis dans cette position-là, ça donne ça.
machines qui travaillent les épaules, plus particulièrement au niveau des deltoïdes. Donc je vais vous montrer où ça travaille. Donc je vais vous montrer la machine, comment ça s'utilise pour solliciter principalement que les deltoïdes au niveau des épaules. Fini pour aujourd'hui. Un exercice favori que j'aime bien, c'est soulever le pneu. Ça travaille les biceps, ça travaille les fessiers, ça travaille aussi la technique, le dos un peu. Donc c'est excellent cette machine que je vais vous montrer. Enfin, c'est pas une machine, hein, vous allez voir. C'est pour les gens qui aiment, qui veulent déménager, aider les gens pour faire leur déménagement. Et même chez vous, si vous voulez rattraper quelque chose, poser quelque chose par terre, il y a des techniques à faire. Il faut le faire techniquement. Donc, avec cet exercice que je vais vous montrer, vous allez voir que il faut faire attention pour ne pas se niquer le dos. Donc, les débutants, il faut faire gaffe. Donc, il faut voir comment ça s'utilise cette machine. Donc, ça travaille l'ensemble du corps et il faut être bien stable au niveau des jambes pour pouvoir bien soulever le pneu et la ramener, la faire tomber, la ressoulever en descendant bien techniquement. Donc, ça donne ceci. C'est très bien, l'excellent ce mouvement, c'est un mouvement hyper complet et j'adore. À la fin de mes séances, je m'amuse à ça, c'est excellent. Donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. La nouvelle salle de musculation de Fitness Park qui est près de chez moi, le Larmsel, que j'ai testé. Donc là, je vais faire ma propre séance tranquillement, les anneaux, un peu de gymnastique avec les anneaux et un peu de montée de corde. Donc ça, c'est pour moi personnellement. Merci, au revoir, see you soon, bye.